Pala n'est pas un village inconnu à Bobo-Dioulasso. C'est là que chaque année, au mois de mars, des milliers de personnes se rendent pour assister aux grandes funérailles. La fête des masques, une valeur culturelle et traditionnelle entretenue depuis plus d'une quarantaine d'années par les grands frères de cet homme, le chef du village, Sa Majesté Bakary Sanou, décédé le dimanche 27 septembre 2015. Toutes les traditions que nous avons ici à Pala, comme par exemple les cérémonies de début et de fin des récoltes, les rites funéraires, la danse des masques, la grande responsabilité incombait au chef. Il était tout pour le village. Reconnaissance des populations de Pala à leur chef décédé. Regard désormais tourné aussi vers le prochain patron du trône. Le chef qui vient de disparaître, il a été en tout cas un très grand garant de la tradition culturelle. Et il a veillé à ce que la chose culturelle qui lui a été léguée par ses ancêtres aussi reste telle. En tout cas, nous souhaitons que le successeur puisse faire pérenniser les coutumes Bobo Mandarès, particulièrement ceux de Pala, pour en tout cas la sauvegarde du patrimoine culturel. Pala est un village atypique. Il est l'un des seuls villages Bobo où la chefferie est détenue par une famille de forgerons.